Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Marois et de Caleb et de tout le bordel. C'est quoi que ça commence? Bonjour Marois, je suis heureux que décès de Darche. Quelqu'un? On s'en fout, on connaît pas. Et bienvenue aussi aux saisons. Regardez ce qui se passe dehors. Regardez, regardez, regardez ce qui se passe dehors. Il pleut! Oh my god! Il pleut! Regardez la piscine! Enfin, si, il se passe un truc avec la piscine, normalement. Ouais, ça se voit pas trop. Mais bon, il pleut! Il pleut. Et voilà pour notre petite... on est samedi. Ah oui, c'est tout bizarre! Ah là là, excusez-moi, mais je découvre. Hein. Vous voyez le calendrier, d'accord. Donc, nous sommes en été pour... la famille de Marois. J'ai voulu, bon bah, on change un peu de partie. Vous allez voir les autres saisons sur les autres parties. Et moi aussi, parce que je tiens à dire que j'ai pas de partie privée. Donc je vais sûrement découvrir toutes les saisons en même temps que vous allez voir les épisodes. Donc je suis un peu désolée, je vais m'extasier au moins 40 000 fois par jour dessus, sachant que je n'ai jamais eu les saisons dans aucun Sims, et encore moins les Sims 3. Donc c'est vraiment, ça va être une découverte et un kiff. Et aujourd'hui donc, c'est quoi qu'il faut faire? C'est, je sais pas. Bref, voilà. Et ça, il y a un anniversaire. C'est l'anniversaire de notre fille. Ah ouais. C'est automatique. Aïe, 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 aïe. Fête de l'hiver, déjà. Mais laissez-moi le temps. Bon, j'ai réglé les jours, enfin les saisons à 14 jours, donc j'espère que ce sera assez, j'avoue, je suis pas sûre. Ah, je pense que Marois... Hé, allez, parce que moi je pense qu'elle l'est. C'est vrai que la... Non, pas... Non. Oui, oui. Un petit noubou, en plus, tu vas nettoyer. Je voulais, j'ai cliqué sur vomir, c'est pas ce que je voulais faire, et tu vas essuyer, parce que bon, c'est pas cool. Un petit deuxième Nubuvatore. Nubu. À vos pronostics, fille, garçon, jumeau, jumelle, chien, chat, alien, vampire. Et puis peut-être loup-garou, sorcière, tout ce que vous voulez. Ah, il pleut, c'est trop drôle. Bref, donc voilà, on est arrivé enfin dans les saisons. C'est ma toute première partie, j'ai lancé le jeu. J'ai installé des tenues d'été. De grosse chaleur. Oui, là, la dalle. Bah oui, mais calez-vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Hey, t'as... Non, il a toujours pas fini sa truc. Oh, tu me casses les pieds. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont changé. Ils ont mis un petit 6, on n'est plus obligé de cliquer dessus. En fait, on peut pas. Si, on peut encore. On peut cliquer, mais... Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu as... Mais si, regarde ici, tu peux. Gaston. Enfin, sérieusement, je viens d'entendre parler de ce concert d'entrepôt abandonné. Non, non, ben non. Nous, on est enceinte. De nouveau enceinte. Alors, je déconne complètement parce que, les gars, j'ai pas du tout fait la chambre et les photos. Je vais chier, pense en lançant la partie. Je l'ai toujours pas fait. Vous pouvez me foutre des coups de pied virtuels. Je le mérite. Je le ferai vraiment après cet épisode et j'installerai la photo, enfin, les photos de mariage. Voilà, voilà. Et donc, on va voir un petit nouveau Vatore. Il est samedi, 9h30. Lui, il a encore faim. Il va me dire qu'il peut pas. Mais si, il mange ton plasma fruit, je sais pas. Il a bientôt fini son aspiration, sachant que Marois, elle l'a fini. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme aspiration de nouveau pour elle? Rejeter la bête. D'accord. On pourrait faire... Se présenter à Sim, avoir trois amis, revenir des trois fêtes, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Après une nouvelle envie, le beauf quoi, ça fait un moment qu'elle y est maintenant. Pourquoi j'ai pas de... qui quoi? Ah non, d'accord, oui, je suis bête. Incroyablement riche, baronne de l'immobilier, connaissance, on a fait... On a encore même pas mal de choses. Après, il y a Sim originaire de la ville. Ces trois commandes de stand de nourriture. Ah, mais ouais, mais elle mange pas. Attends, niveau 3, tirer les feux d'artifice, utiliser une machine à bulles. Ouais, elle peut pas trop le faire. Par contre,
Azénor, je pense lui faire, parce qu'elle, elle est née en ville. Elle est née ici, même si elle a été construite, préfabriquée à Selvadorada. Amatrice de plein air. Survivaliste. Ouais, c'est encore des trucs que... Exploratrice de la jungle. Ah ouais, ça, il faudrait que je lui mette à Marwa. Un chauffeur au bout du marché. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Bah, popularité, ça me paraît pas mal, hein. Ami de tous, as des blagues, chef de la bande. Doué pour diriger. Être accepté. Acheter un amendement. Bon, ça, c'est facile. Pendant 12 heures. Gagner 1000 points de groupe, diriger un groupe de 8 sims. De toute façon, on a déjà un groupe. Allez, on va faire ça. À mon avis, voilà. Acheter un avantage de groupe, t'inquiète. On a 1180 points. On va acheter. Qu'est-ce que tu veux qu'on achète? Taille de groupe, ça on avait déjà pris. C'est juste qu'il nous manque deux personnes. Bonus sociaux. Bonus du romantisme. Bonus. Accélération du gain de compétences amicales. Ouais. Ouh, un petit. Compétence pâtisserie. Ouais. Ambiance de groupe drague. Oh, c'est chaud, c'est chaud. En gestion de groupe, rassembler les troupes, débloquer l'intégration entre les deux. D'accord, ah c'est pas mal ça. Vêtements et décorations, blouson en cuir. Veste de survêtement. Non, blouson en cuir, tu rigoles. Saut de groupe. Très bien. Bon, je sais pas, hein, c'est quoi ça? Groupe populaire. Ouais. Nous, on est des populaires, nous. On est trop de la hype. On est trop de la hype. Bon, Calebou, qu'est-ce que tu fais? Ah, il est reparti nettoyer sa baignoire. Très bien! Bénédiction mystique, on a gagné aussi des sous. Faudra que tu travailles encore un peu, Calebou. Bon, on est remonté déjà à 9000 simflouz, c'est juste gigantesque. Puisque je vous rappelle qu'on a emménagé il y a très peu de temps dans cet appartement et qu'il nous restait plus une thune. Bon, après, on n'a pas encore payé les factures. Ça ne saurait tarder. Eh, mais en fait, là, ça craint, hein. Attendez, juste. Non, voilà. Bah oui, bah forcément, si je regarde dans la piscine, je vais pas voir grand-chose. C'est l'été, hein. Il pleut. Le soleil est voilé. Bon, pour des vampires, c'est plutôt pas mal, je dirais. Mais bon, quand même. Ok. Azénor, elle dort. Calebou, il va encore manger ses trucs. Les chats, ils vont bien, apparemment. Je suis pas sûre qu'ils nous fassent des gosses. Hein. J'ai perdu espoir, de toute façon. Tu vas pouvoir donner une friandise à Pépette. Lui faire un câlin. Ah, le coup a été distribué. Encourager à s'accoupler avec Apollon. Comme ça, on s'accouple. Tout le monde s'accouple. Tout le monde fait des bébés. Et c'est pas notre ancien voisin. Non, ça va. Le facteur. C'est... Mais t'es qui, toi? Vas-y, barre-toi. On t'a jamais donné les clés, meuf. C'est notre chat. Ouais, merde, pardon. Oh là là, je sais plus. Oh, Marois avec son bidon, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus ce que je fais, c'est ça. Voilà. Alors, prendre le courrier. Bonjour, je m'ennuie, on peut discuter un peu? Non, bah non, non, j'ai pas envie. Tu viens pas chez moi. Toi, t'as un vestibule ici, tu peux t'asseoir et t'attends qu'on ait envie de te parler. Voilà. Tu vas s'entraîner à l'analyse archéologique. Ah bah oui, d'accord. On n'avait pas reçu, je pensais qu'on avait reçu des trucs. Qu'est-ce que tu vas faire, Nabeshima? Tiens, un Zénor s'est levé. Coucou ma jolie petite. Je me souviens même plus si je vous avais montré son look. Je me souviens qu'on avait parlé de ses dents. Mais j'avoue, ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré. Ou peut-être 3, je m'en souviens plus. Vraiment, ça fait un bout de temps. Et ça fait donc j'ai quoi un petit peu oublié. C'est moi ou... Non, j'ai cru entendre le tonnerre, mais je suis pas sûre. C'est peut-être moi, hein, je sais pas. J'ai mon casque qui grince, c'est peut-être ça. Alors, tu vas parler un peu à ta fille. Genre se plaindre de la taille de... De truc là, de... Ah! Je vais y arriver. La taille du télé... T'as vu, t'as de la tronche de ton téléviseur?
Il est plus grand que mon appart. Il est où, Apollon, appelle-le. Je sais pas, je les ai pas vus s'accoupler, à mon avis, ils s'aiment pas. Hein. J'aurai jamais d'enfant. J'aurai jamais de bébé chat. C'est comme ça, c'est bébé chat, bébé chien, ça veut pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. T'es où, Marouin? Mais il est là! Je sais pas où elle est partie. Hein. Jouer sous la pluie! Mais oui, mais... Un jour, je comprendrai comment les signes fonctionnent. Hein. Mais elle est encore... Non, elle retourne aux toilettes. Mais pourquoi tu vas aux toilettes, Maroua? T'es vampire, tu vas pas aux toilettes, normalement. T'es bizarre. Hein. Quand t'es enceinte, t'es bizarre. Oh, le chat! Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qu'il y a pas? Qu'est-ce qu'il y a pas? Oh, je sais plus, moi. Toi, Azenor, tu vas pouvoir nettoyer ça. On va travailler à ton éducation. Elle est trempée! Elle goutte de partout! Fantastique moment sous la pluie. D'accord, mais bon, on n'a pas pu te voir parce que... Endeuillé. Mais vas-y, on connaissait pas. Mais c'est une nouvelle une nouveauté, ça aussi, d'avertir, d'avoir un texto... bon, tu vas prendre dans les bras. Tu vas caresser. Tu vas brosser. T'es toute trempée, mais c'est pas grave. Les chats, ils aiment pas l'eau. Hein. Je sais pas si t'es au courant. Ils ont dit un truc? Non, ils ont rien dit. Un petit noupou pour Marois et Calébou. Yeah! Ouais, tu t'entends pas tant que ça avec lui. Hein. Tu vas donner une friandise. Tu vas faire un câlin. Tu vas faire connaissance. Tu vas jouer avec un pointeur laser. Refaire un câlin. Et refaire connaissance. Comme ça, on va essayer de monter un peu tes skills en connaissance avec lui. Pour essayer encore une fois de faire des gosses avec moi. Parce que j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Discutez avec Azenor. Ah oui, c'est vrai qu'il est mignon ce lit, mais je voulais mettre le nouveau lit du pack saison avec les voilages que je trouve mais sublimes. Je suis pas la seule. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Se moquer des adultes. Meuf, tu parles dans le vide, ton père il est parti. Allez, va aux toilettes. Bah fais ta life, on est samedi, après tout tu pourrais peut-être te balader, je sais pas. Oh, regardez, ça fait des flaques! C'est génial! Ah, attendez, je les vois pas très très bien. Voilà, là on voit bien. Ah ouais! On a Calébou qui s'entraîne pour le basket. Le panier est là-bas. En fait, ça fait des flaques un peu partout. C'est trop sympa. En même temps, c'est l'été, mais il pleut. Et c'est l'été aussi depuis 2 jours, et puis il y a sûrement plus quelque part dans le monde depuis. Mais bien sûr, ça peut être... c'est l'été chez nous, mais c'est l'hiver, si je dis pas de conneries, ailleurs. Dans une autre hémisphère. Marwa, au lieu de prendre de l'eau, est-ce que t'as dit à ta fille que qu'elle allait avoir une petite sœur ou un petit frère? Voilà. Parce que bon, elle a vu ton bide, mais... Il faudrait aussi travailler votre relation. Hein. Oui, Nubu. Ah bah si, elle est contente. Oh, tu ne seras pas la fille unique, ma petite Azenor. Sachant que tu vivras éternellement comme nous, mais t'inquiète pas. On t'apprendra les choses de la vie. Oh, on va serrer dans les bras. On va essayer de remonter aussi sa relation, parce que je trouve ça triste qu'elle s'entende pas si bien que ça avec sa fille. C'est vraiment très très triste, pour le coup. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, j'ai cru qu'il était en train de... Non, pas le foot, hein, c'est bon, là. Non, non. Allez, livre... Non, pas un livre de compétences. Un livre de genre scénario. Allez, go. Arrête avec ton foot de merde, là. Non, non. On en bouffe assez déjà en ce moment. Donc, zut. Tu vas redemander à Nabeshima de s'accoupler avec Apollon? On va y arriver, je m'en fous. Oh, il y a un bug. Stevie à tout prix, ok. Ami, non, je m'en fiche. Plus de choix. Et voilà, c'est parti. Je vous jure, des fois, hein, c'est Sims. Ah! Ah! Oh! Oui!
Non, mais parce que quand même, comme je stresse un peu qu'elles s'entendent pas toutes les deux, c'est dommage. Il y a une petite différence de couleur de peau, mais je pense que Azenor, elle va vraiment ressembler à sa mère, vu qu'elle a la même tête. Enfin, du moins, la même, le même nez, tout ça. Oh, c'est vraiment trop chou! Oh, exprimer son amour! Oh, si, elle a l'air tellement mignonne, cette petite. Embrasser la joue. Allez, démonstration d'amour pour sa fille. Oh, c'est trop mignon! Oh, vous êtes trop mignonnes, les filles! Et d'améliorer la mauvaise relation. Ah oui, avec la voisine, allez, vas-y, on va essayer d'améliorer notre résolution de conflit. C'est pas très rigolo. Il y en a combien là-dedans? Bon, après, elle est pas très épaisse, Marwa de base. Hein. Ah oui, ça remonte la résolution de conflit. Tu as raison, j'irai parler la prochaine fois. Trop fort. Elle a ses manières qui remontent. Se plaindre du temps nuageux. C'est vrai, on est en été, quoi, j'ai envie de dire. Parler de l'école. Discuter des centres d'intérêt. Et après, tu vas faire aussi un câlin à ta maman, quand même. Demander à... Non, enlacer tendrement. Voilà, un peu de tendresse. Oh, oui, j'aime ça. Et hop, Marwa se barrait en quatrième vitesse. Ma petite Azenor, au lieu de regarder la télé tout le temps, t'as ton contrôle des émotions, cocotte. Tu vas bosser ça, tu vas aller dans ta chambre un peu. Bon, après, t'as encore des trucs de bébé. Hein. Je pense que j'avais... Je m'en souviens plus, mais... Ah oui, j'avais quand même fait ça. Tu vas jouer au docteur deux fois. C'est pas vrai! Depuis le temps que j'attends, mon Dieu, vous savez combien de temps que j'attends ça? Depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, j'attends d'avoir des bébés chatons avec Nabeshima! J'ai jamais réussi! Alléluia, Jesus! Ave Maria! Et tout ce qui s'ensuit. Bon, je suis plus croyante, mais après. C'est. Ah! Je m'y attendais pas. Oh, je suis trop contente! C'était vraiment l'épisode. Ah! Je suis contente. Bref, on va continuer la vie. Ah, c'est cool! Donc, Azenor, tu devais jouer avec ton truc. Ah, j'ai le sourire. Vous imaginez pas. Bon, j'ai hâte de voir les bébés. On va avoir un foyer complètement plein après. On est à 3, 4, 5. Il y a un Nouboo en route. Ça fait 6, 7, 8. Ouais, donc elle aura deux chatons max. Ça veut dire qu'on n'en aura qu'un avec Marwa. Ensuite, tu vas serrer Lico dans tes bras. Tu vas jouer. Tu vas parler. Tu vas réconforter. Et on va. Te monter tes skis. Ah oui, tiens, jouer avec émotion, jouer avec émotion. Là, tu vas être bien, ma cocotte, hein. Tu vas être parfaite, Azenor. Franchement. Oh là! C'est sûr que c'est bon pour toi de faire des. Ah oui? Ah non, mais. Ah non, c'est juste qu'elle est cracra, mais. Faire du basket quand on est enceinte, c'est pas forcément bien. Oh, c'est l'épisode bébé, hein. C'est l'épisode bébé. Vous voyez, j'avais un titre en tête pour cet épisode, mais je suis. Je sais pas comment. Ah, je sais pas. Je vais peut-être pas le mettre parce que vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce spoil? Mais j'attends de voir, je sais pas. En tout cas, je suis méga contente quand tout le monde va avoir des bébés. Les femmes vont avoir des bébés. Bon, sauf Azenor parce que effectivement, elle est un peu trop jeune. Hein. On peut pas faire ça comme ça. Hein. C'est pas possible. Hop. Là, lui, il bosse. Elle bosse aussi. Et après, Marwa. Mais c'est quoi qui fait ce bruit depuis tout à l'heure, c'est ça? Tiens, tu iras vider la litière. Il y a un bruit dans cette maison qui est très bizarre. Ou alors il y a un truc qui est buggé. C'est très chelou, j'ai jamais eu ça. D'habitude, quand ils sont cassés, on le voit, mais là, là, on sait pas trop. On sait pas.
Voilà pour la litière, c'est au moins ça. Ah, la simrumba. Dis donc, Marwan, t'as jamais vu danser là-dessus? La fameuse danse de salvadorienne. D'accord. Non, mais sinon, on voulait pas forcément te voir, hein. Je disais ça pour déconner, hein. Ça ira. Ça ira bien. Franchement. Bon, pour un premier jour d'été dans le jeu, c'est pas l'idéal, mais... C'est classe. C'est classe. En fait, avec Marwa, effectivement, on n'aura peut-être pas l'occasion de beaucoup profiter de ce qui est des saisons. Ah! Ça gronde quand même. Mais... Ah ouais, regardez les gouttes. Disons que ça rend vraiment plus réaliste, quoi. Si on se dit... Oh, ils ont des parapluies! Si on se dit, tiens, on va faire un truc dehors. Ah, oh, oui! En même temps, ils ont tellement bossé pour ce pack. Oh! 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 Un éclair! Il est où? Ah, là, je suis un peu trop loin, je crois. Ah! Je suis partie où? Je suis dans la matrice! Je vais retourner ici. Mais en notification plein. D'accord. Je veux juste regarder. Waouh! Oh, on est à fond dedans là. Là-bas, c'est chez nous. Mince, j'ai raté l'éclair. Après, les éclairs, ils sont un poil longs. Normalement, les éclairs, c'est. C'est des éclairs, quoi. Ah, oh, il y a un avion. C'est pas très fixe, il n'y a pas une traînée en fait. C'est juste un petit flash. Je crois. Ils ont des parapluies. C'est trop sympa. C'est trop cool. Et ah, Caleb a terminé son livre, ça c'est super. Il y a toujours ce bruit. Ah, quand je serai adulte. Trouve une tenue ninja. Ouais, vas-y, on s'en fiche. Ok, tu vas. Donc je vais devoir baisser les murs à moitié. Et tu vas vendre à un éditeur, Stevie à tout prix. Comme ça nous fera un petit revenu en plus. Mais il y a vraiment un truc qui fait un bruit chelou dans cette maison. Oh! Ça gronde. Ah, je pense qu'ils vont avoir de coup des trucs à découvrir, comment dire. Oh, qu'est-ce qui se passe, les loulous? Qu'est-ce qui se passe, Fifi? Oula. Oh, elle a peur! Ah oh, oui, ils ont peur de l'orage! Mais non! Oh, les bébés! Oh, les bébés chats! Eh! Oh, putain, il saloperie. Apollon! Notre nouveau canapé! Saloperie! Oui, on s'en fout! On dirait qu'elle lui répond en train de faire. Genre lui, il râle et puis. Qu'est-ce que t'as? Bon, ça, il y a plein de choses qui l'inspirent, la petite Marwa là. Ouais, ok. Danse. Non. Non, mais en tout cas, les Timinous, ils ont peur de l'orage. Le petit chou, oh là là. Il y en a un qui danse. T'es où, Apollon? Ah bah il est là. Tu vas faire un câlin. Voilà, comme ça c'est fait. Non, tu danses pas, Marwa. Calebou. Calebou, il a tout dans la dalle, c'est pas possible. Vas-y, mange. Voilà. Quand est-ce que tu valides ton dernier jour de ton aspiration là? On a l'impression que les jours ils passent plus depuis un moment là. C'est un peu comme Rieko. Rieko, est-ce qu'elle a accouché à votre avis? On va aller voir ça tout de suite. Non, c'est là. Est-ce qu'elle était encore enceinte quand j'ai chargé la partie? Oui, Steven, il est mouru. Mais c'est sérieux, elle a toujours pas accouché? Mais c'est buggé ou quoi? Mon jeu, il est full buggé ou quoi? Le temps n'avance plus, on est. Tout
tout le monde est, va être vampire, supplié d'arrêter de monter. Tu veux jouer? Bah, jouer avec Nabeshima. Nabeshima, est-ce qu'elle a un gros bidon? Non, pas spécialement. J'ai hâte de voir leur pelage, à quoi il va ressembler. Hein. Alors, Azenor, bah, Azenor, elle fait sa life, elle a raison en même temps. Elle est toute seule. Peur des orages! Oh non, Chouquette! Faut pas exprimer son amour. Parler de l'orage. Ah! Bon, elle est buggée aussi maintenant. C'est pas possible, cette histoire. Amical. Déclarer sa préférence... What? Déclarer adorer. Je déclare que j'adore les éclairs. Ouais, c'est buggé. Super. Ouais. C'est très beau. Alors, ça arrête pas de péter au niveau d'orage, hein. Un peu comme tout le monde a eu ses petits orages il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, pour une journée d'été, c'est pas terrible quand même, les Sims. Hein. Moi, en plus, je m'étais dit, ouais, le soleil, les vampires. Et ben non. Ce coup-ci, ils sont bien tranquilles à la maison. Ah oui, si je fais pas ce qu'il faut. Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis arrêtez de chanter, là. Caresser. Le pauvre Apollon, on l'aura vraiment adopté pour faire des bébés. Et puis maintenant, c'est ciao, quoi. Elle, elle va se coucher, non? Ah non, elle va jouer avec son truc. Est-ce que, ma cocotte, tu as fait tes devoirs? Allez, tu vas faire tes devoirs. T'es encore en forme, hein, pour un 23h30. Maman, elle va te donner... elle va t'aider. Ces derniers jours ont été intenses. Je vais au parc pour me détendre. Bah vas-y toute seule, hein, sous la flotte en plus, tranquille. Maman, elle va aider au devoir. Allez, maman, Romain Roi. Oh, mais l'image, elle tremble en même temps que les éclairs et tout, c'est génial. Oh, j'imagine trop une partie, on est en pleine nature et tout, et on doit faire face aux éléments comme ça, ça pourrait être très très sympa. Alors, tu vas... aussi acheter des packs de plasma parce que j'en ai acheté à Marwa. Comme ça, tu vas arrêter d'avoir faim parce que là tu me pètes les noix là. Voilà, tu vas en boire deux. Et t'as toujours pas validé. Non, il a toujours pas validé son truc. Prévision d'aujourd'hui, canicule? Mais c'est vrai qu'ils sont pas sortis hein. Comment ça, jour d'été 8 sur 14? Bah, je viens de commencer la partie, ils nous ont déjà sucré une moitié d'été. Mais quel est le fuck? C'est très bizarre leur système. Hein. Peur des orages! Oh, quel ébou, il a peur des orages, mon petit! Mais non! Visage et visage. T'inquiète pas, tu sais, ça va rien te faire, toi. Alors, je vais vous monter sa tenue, du coup, tenue grand chaud. C'est bien sûr une tenue avec que le pack saison. Marois, j'en ai choisi une super. Alors, bien sûr, j'ai mis le débardeur ultra sexy, ultra... Voilà, le petit Bermuda, et puis des tongs, ça c'est les tongs, on n'en a pas, donc... c'est facile, c'était celle du pack. J'ai mis une tenue sexy, men, tout en blanc. En fait, j'aurais fait une tenue spéciale tout en blanc. Qu'est-ce que c'est? Inspiration de... Ah oui, c'est vrai qu'il est gourmand. Marouanette! Oh, ils font des bisous. Tu vas aussi montrer ta tenue. Ah, en plus, j'ai kiffé parce que je lui ai mis une nouvelle coiffure et je trouve que ça lui va tellement bien. Alors, attendez. Alors, il y a déjà celle-là. Regardez, c'est une nouvelle coiffure du pack. Putain, Maroua, arrête! Non! Marois, arrête. Bon, on va verra comme ça. Elle est magnifique, ça lui va super bien. Bon, après, le problème, c'est que Marois est tellement pas épaisse qu'il y a des tenues que j'ai pas pu lui mettre, c'était pas joli. C'est bien dommage. Et puis, je vais lui mettre donc sa deuxième tenue tout en blanc. Et là, elle est juste ouf, terrible. Eh, mais en fait, j'ai fait de la merde. Regardez,
J'ai trifouillé. Non, mais ça m'a pas enregistré ce que je voulais. J'ai trouvé les. Qu'il y avait dans le pack, il y avait des boucles d'oreilles. Bonhomme de neige, je sais pas ce que j'ai mis. Je lui ai mis ces piercings. Mais what, quoi? Donc, ça vient de. Du pack lessive. Et ça, je crois que c'est dans le truc de base. Voilà. Tout nu, tout en blanc. Et Azenor aussi a une tenue tout en blanc. Tu vas la montrer aux gens, s'il te plaît, ma cocotte. Tac! Spécial soirée blanche. Ah, bah j'ai oublié de lui enlever ça. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai été rapidement pour commencer l'épisode et pour pouvoir vous le diffuser aujourd'hui. Ouh! Ah, elle a plus de cheveux! Bon, en tout cas, ils vont aller doucement se coucher, je pense. Et elle est repartie pour faire sa chante. Hé, il pleut plus! Il pleut plus. Et c'est toujours caniculaire. Bon, bah écoutez, le soleil brûlant sera pour la prochaine fois. Mais Caleb, tu manges pas quoi? Ah, mais t'en as mangé qu'un sur deux, forcément. Tu peux avoir la dalle, hein. Voilà. Elle chante bien, la petite Marwa. Être désirable. Embrasser les mains. Ah, et puis, en fait, cette tenue-là, pour qu'elle ait boue, ça permet de qu'on voit ses poils, sa pilosité, vous voyez, sa petite pilosité, c'est pour ça que je l'ai choisie. Non, mais il y a d'autres endroits que la chambre de votre fille pour vous faire des trucs, hein. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où, là? Ouais. C'est la mûre, c'est la mûre. Baiser passionné. Ah, nous n'avons pas de bain remous. Ben oui, mais si, parce qu'en fait, elle est enceinte, donc elle peut pas. Allez, les amoureux! Et elle fait la vaisselle. Mais va aux toilettes, cocotte! C'est là qu'elle va me dire qu'elle peut pas parce qu'il est cassé. Non? Bon, non. En même temps, on en a qu'un. S'il est cassé, il faudra le changer. J'ai l'impression qu'il est bugué, hein, quand même. Puis t'iras te coucher, ma cocotte, parce que là, il est temps. Il est temps pour nous. Ah bah, ils sont repartis pour un tour à faire des crapulades. Bon, après, la chambre elle restera peut-être pas comme ça parce que selon le bébé qu'on aura, je laisserai peut-être la chambre aux enfants et Marwa et Caleb, eux, et comme ils dorment pas, voilà. Puis les photos de mariage, et ben je les mettrai ailleurs, tout simplement. Bon, bah alors, je vais laisser là-dessus que je vais vous laisser, comme d'habitude, sur un crac-crac. J'espère que cet épisode vous aura plu et que l'arrivée des saisons bah, vous réjouit aussi, comme moi, hein, on va dire. Que l'arrivée des bébés aussi vous réjouisse. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Marwa ou d'autres challenges. Allez, salut!